Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va croiser les doigts que j'arrive à parler jusqu'au bout. Donc pour ça, je vais le faire doucement. Là, j'ai dans ma bouche un bonbon à la menthe qui me permet de calmer un peu mes douleurs en plus de mes médicaments. Donc, ne vous inquiétez pas si vous trouvez bizarre que de temps en temps, j'ai quelque chose dans la bouche. Hier, je n'aurais pas su vous faire une vidéo. Je savais parler un petit peu comme ça, mais je n'aurais pas pu parler toute une vidéo. C'était impossible. La nuit même a été... La première partie de la nuit a été bonne. La deuxième partie a été terrible, alors que d'habitude, mes douleurs ne me réveillent jamais depuis plus de 11 ans que j'ai cette maladie. Elles ne m'ont jamais réveillée la nuit. Et là, cette nuit, ça m'a réveillée. Et j'étais avec mon oreiller comme ça, je ne voulais pas réveiller Chouchou. Alors pour les nouveaux de la... Les nouveaux abonnés de la chaîne, Chouchou, c'est mon mari. Hein, donc, vous entendrez souvent que je dis Chouchou. Donc, je ne voulais pas le réveiller non plus, à force de bouger. Et après, j'ai réussi à me réendormir au bout d'une heure, une heure et demie, je pense. Et du coup, je me suis réveillée très tard ce matin. Enfin, très tard. Il était 9h. D'ailleurs, même Chouchou m'a regardé, il me fait « Ah, quand même !» Mais bon. Donc là, pour l'instant, on croise les doigts, on touche du singe, ça va. Donc, je vais parler doucement pour ne pas activer ma langue. C'est une saloperie de maladie. Enfin, c'est un syndrome très rare. Si vous voulez regarder ce que c'est, il y a une explication hein, sur internet. C'est un syndrome dont on prend des médicaments hein, pour ça. Enfin, on essaye de prendre des médicaments. Donc, on passe par. Parce qu'il n'y a pas de traitement. J'ai d'ailleurs ouvert un groupe, moi, sur Facebook, il n'y en avait pas. Mais je ne m'occupe plus du tout du groupe parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'y allais, j'avais mal. Donc, j'ai une autre personne qui a la même maladie, qui s'en occupe. Moi, je n'y arrive plus à aller sur le groupe parce que ça me stresse trop d'aller sur le groupe. Du coup, je n'y arrive plus. Si vous voulez, on est 1% de la population donc française, hein, mais mondiale, je ne sais pas. Mais bon, ça existe dans le monde. Mais en France, on est 1% environ de la population à avoir ce syndrome. Je ne gagne pas grand-chose, je ne gagne pas souvent, hein, mais là, j'ai gagné. je l'ai eu. Donc, si vous voulez voir ce que c'est comme maladie et voir en gros les symptômes, vous allez sur Internet et vous tapez, je vais vous le mettre ici en bas, le mot, parce qu'il n'est pas facile à retenir, c'est la glossodynie. Voilà, vous tapez ce mot-là sur Internet et vous verrez ce que c'est. Voilà, c'est une saloperie de cochonnerie. Et comme on n'est pas assez nombreux à avoir cette maladie, enfin ce syndrome, ben, il n'y a pas de recherche. Voilà. Donc, on se débrouille tout seul. Hein. Voilà. Et il y a beaucoup de médecins qui ne connaissent pas, en plus, du tout, cette maladie. Bon, allez, je ferme les parenthèses. Donc, vous inquiétez pas, je vais parler doucement. Alors, aujourd'hui, la vidéo est pour vous montrer mes derniers achats de l'année. Oui, l'année se termine aujourd'hui. Et donc, hier, avant-hier, une commande. Hier, je suis allée à Cultura. J'ai reçu deux commandes d'Amazon et une commande de Univers Broderie.
Alors, l'univers broderie, pourquoi? Parce que vous avez peut-être vu, si, pour ceux qui ont été voir, vous savez, dans communauté, je vous rappelle, je mets des fois des messages. Il y a une tradition pour les brodeuses, que le premier de l'an, on doit commencer une broderie. Voilà, c'est une très vieille tradition, on doit commencer une broderie pour... c'est comme ça. Pour se donner du bonheur. Bon, j'ai déjà des broderies chez moi, hein, des modèles, tout ça, mais j'avais envie de choisir vraiment une toute nouvelle. Et donc, j'en ai commandé une autre et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, d'abord, à Cultura. Je vous avais parlé des feuilles 30-30 pailletées adhésives que je ne trouvais plus sur le site, que je ne trouvais pas sur le site. Peut-être qu'elles y sont, que je n'ai pas bien cherché, mais bon. Donc, comme je suis allée au magasin hier, donc moi, je suis allée à Villeneuve-d'Ascq, hein, puisqu'on a eu le fils de Chouchou pendant 3 jours à la maison, et que lui, il habite à côté de Lille, à côté de Villeneuve-d'Ascq. Donc, on a été le raccompagner chez lui hier. Et donc, j'ai profité pour aller à Cultura, puisque moi, ici, sur Valenciennois, on n'en a pas. Donc, j'ai racheté des feuilles. Alors, par contre, je n'ai acheté qu'une feuille de chaque couleur. Enfin, pas de chaque couleur. Vraiment des couleurs principales. Parce que ces feuilles sont très chères. Voilà. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, quand j'en découpe, je garde vraiment même les tout petits bouts. Parce que c'est vraiment très cher. Alors, je vous montre. Donc, c'est 2,49 € la feuille. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est très cher. Il ne faut pas en perdre une miette. Hein. Alors, donc, je vous montre derrière. Ils ont changé l'étiquette. Hein, mais voilà, la référence. Donc, c'est toujours Toga hein, qui fait ses feuilles adhésives au glitter. Donc, c'est des feuilles 30,5 sur 30,5. Voilà. Voilà, donc j'ai pris le blanc. Voilà, vous voyez comment elle brille. Donc c'est 2,50 € chaque feuille. J'ai pris la noire. J'adore la noire. Regardez comment elle brille. La dorée, bien sûr. Voilà. Et une argentée. Donc, il y avait d'autres couleurs. J'aurais bien voulu les prendre. Mais à ce prix-là, j'ai dit, bon, ben, j'en prendrai la prochaine fois que j'irai là par là. J'ai vu qu'il y avait du turquoise, il y avait du rose, il y avait du rouge. Il y avait d'autres couleurs, mais je ne me repale plus. Mais bon, vous comprendrez bien que là, déjà, 4 feuilles, ça me fait 10 €. Donc, on va les utiliser avec parcimonie. Ne pas faire n'importe quoi avec, ne pas se tromper surtout dans les découpes pour les utiliser. Donc, en même temps, alors, vous avez vu que dans le titre, j'ai marqué ben non, je vous montrerai après ça, parce que sinon vous allez partir de la vidéo. Alors, Amazon. Alors là, Amazon, je vais vous montrer qu'un seul livre. Le deuxième est déjà pris par Chouchou, parce que j'en ai acheté un pour lui. Et il est déjà là, à l'heure où je vous parle, en train de l'utiliser. Mais je vais vous mettre la photo après, de celui que j'ai choisi pour lui. Vous retrouverez également, donc, ce que j'ai pris chez Amazon, vous retrouverez les références en barre d'infos. J'ai pris 2 livres de coloriage, un pour lui, un pour moi, bien sûr. Voilà, ce sont des livres anglais, puisque c'est écrit en anglais à l'intérieur. Voilà. Alors, ils sont bien. Par contre, vous pouvez les partager, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, moi, j'ai pris le Steampunk,
que vous savez que j'adore le steampunk. Ah, j'en ai déjà un très grand, hein, vous le savez, hein, je fais de temps en temps un coloriage dedans. Alors, ce qui est bien dans ces livres, c'est, donc voilà, un dessin par exemple. Et la page derrière, ouvre-toi, est noire. Donc le coloriage ne va pas traverser la page. Par contre, malgré que c'est noir, si vous coloriez, parce que là les pages ne se détachent pas, hein, pensez quand même à mettre une feuille blanche entre les deux pour pas que si vous utilisez du feutre par exemple, ou de l'aquarelle, si vous faites à l'aquarelle par exemple, il faut essayer. Hein. Sur ce papier-là, je ne sais pas, hein, je vais essayer, mais que ça ne se transfère pas sur le deuxième dessin. Donc, malgré que c'est une feuille noire, mettez quand même par précaution une feuille en plus entre deux. Voilà, un chat steampunk. Je ne vais pas tous vous les montrer, hein, mais je vous en montre quelques-uns. Voilà, voyez. Donc, ce n'est pas les petits dessins quand même à faire. Bon, on n'a pas les modèles, hein, pour faire redessiner. On fait un peu, voyez. Il y a des robots, voilà, des petits robots steampunk. Là. Un petit cœur. J'aime beaucoup les personnages filles. Hein. Voilà. Bon, c'est tout à peu près dans le même style, hein. Voyez. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ces livres. Donc, à Chouchou, je lui ai acheté un livre sur les animaux. Donc, je vous ai dit, je vous mets la photo, hein, là, après. La seule chose que je reproche à ce livre, c'est que vous avez tous les dessins en double. Voilà. Donc j'ai mis un petit truc pour voir. Voilà. Arrivé au milieu, voyez. Et je vous montre. Voilà. Tous les dessins sont en double. Alors, pourquoi je n'en sais rien. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment tous en double? Je suis en train de vérifier. Oui. Ils sont tous en double. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Mais bon, voilà, ils sont tous en double. Alors, c'est peut-être pour... comme ça, vous pouvez partager avec quelqu'un à la maison ou avec une amie. Mais j'ai déjà eu le tour avec ce style de livre. Mais là, les pages n'étaient pas en noir derrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait un petit moment. C'était sur Halloween. Voilà. Et j'ai tous les dessins en double également dans le livre. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Et là, comme c'est écrit en anglais, j'essaie de lire à peu près. Hein, bon, je sais un petit peu lire l'anglais, mais pas tout. Non, ils n'ont pas l'air d'en parler dedans. Mais bon. Donc voilà, bon, c'est le petit clash que je trouve. Parce que bon, bah, ça fait quand même un gros livre. Et du coup, bah, on n'a que la moitié des feuilles que l'on va faire. Alors, à moins de partager avec une personne. Voilà. Mais bon. Sinon, les dessins sont super beaux. J'aime bien
Que ce soit derrière en noir. Voilà. Mais bon. Donc ça, le prix, je vous le marque là en dessous, je ne sais plus. C'était dans les 6 euros. Donc ce n'est pas excessif pour un livre de coloriage. Ensuite, chez Amazon, je me suis offert, on n'est jamais si bien servi par soi-même, de nouveaux crayons de coloriage. Alors, voilà, de la marque Zenacolor, voilà. Alors, là, ce sont des crayons aquarellables. Voilà. Vous rappelez que j'ai les crayons aquarellables d'Action, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, alors, je vais vous baisser, vous verrez mieux, parce que les tenir, voilà, comme ça, ça ira beaucoup mieux pour vous montrer. Faites pas attention au bordel sur mon bureau, hein, c'est normal. Voilà. Donc ici, vous avez toutes les couleurs qu'il y a dans la boîte. Donc dedans vous avez ça, c'est pour avoir pour vous inscrire sur le site, et puis vous recevez toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais plus, un dessin sur votre email à imprimer, et puis après vous pouvez le colorier. Vous avez un nuancier. Donc là, qui n'est pas colorié, donc c'est à vous à le faire, mais toutes les références y sont, et le nom des couleurs. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à le remplir. Ici, on a le petit pinceau. Il n'est pas très grand, hein, mais bon, pour commencer, ça peut suffire, hein. Après, vous avez les pinceaux à réservoir d'eau, hein, que vous pouvez utiliser, ou alors vous achetez des pinceaux d'aquarelle. Et voilà, vous avez trois racks de crayons. Voilà, donc ils sont ronds. On va en sortir un. Voilà, ils sont ronds. Ils ont une bonne prise en main. Donc, je ne les ai pas encore essayés. Hein. Je vais les essayer ici, peut-être aujourd'hui ou ce week-end. Alors, ce que j'aime bien dans celui-ci, alors, on a un blanc. Voilà. Bon, sur les blancs, on l'a souvent. Hein. Mais on a également un argenté. Voilà. Et un doré. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc là, on a tous les verts, les jaunes, les roses, les oranges. Le deuxième rack. Voilà. Vous avez tous les rouges, les verts, tous les bleus. Et ici, en dernier... Donc, vous aurez encore tous les bleus, les violets, et après, on part sur les marrons, les gris et le noir. Voilà. Donc, là, c'est le dernier rack. Hein. Voilà. Donc, en tout, vous avez... c'est 120 ou 160, je ne sais plus, attendez. Je vais vous dire ça. 120. Vous avez 120 crayons. Voilà. J'aime bien que ce soit bien rangé comme ça. Donc, avec une boîte en métal, ça c'est bien. Zenacolor, j'ai déjà des produits de chez eux. J'en suis contente. Donc là, je vais voir ce que ça donne avec cela. Ah, je n'ai pas remis le nuancier dedans. Donc, de toute façon, je vous ferai une vidéo avec un coloriage et je vous en reparlerai donc à ce moment-là. Donc, je vous mets également le lien
Oh là là, il y a un bordel. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour retrouver cette boîte de crayons de couleur aquarellable. Donc, pour Amazon, c'est tout. Alors, aujourd'hui, donc, je suis allée chercher à ma presse le Colissimo. Je voulais pas le faire venir par la poste parce que j'ai dit la poste. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Et il me le fallait absolument avant le premier. Voilà. Sinon, je l'aurais eu en retard. Donc, comme je l'ai dit, là, il y a une tradition que j'essaye de suivre. Enfin, ça faisait 3 ans que je n'avais plus brodé. Hein. Mais avant, je la suivais tous les ans. Je commençais une broderie tous les premiers de l'an. Et là, comme je me suis remise à la broderie, ben, je reprends ma tradition. Bon, malgré que j'ai des broderies en cours en ce moment. Mais bon, de toute façon, toutes les brodeuses ont toujours plusieurs broderies en cours. Hein. Ça, on n'y échappe pas. Hein. C'est très très rare qu'une brodeuse a qu'une seule broderie. Ça, c'est comme les diamond painting. Et maintenant, on commence à en avoir une, deux. Moi, j'en ai 3 en cours. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Souvent, on a plusieurs choses en même sur le feu, hein, en même temps, comme on dit. Alors là, j'ai choisi un modèle Lily Point, pour celles qui connaissent. J'aime beaucoup les modèles de chez Lily Point. C'est des modèles assez simples, assez jolis, colorés. Et puis là, bon, j'ai pris dans l'univers de la cuisine. Comme ça, bon, je m'en servirai pour mettre dans ma cuisine. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai choisi donc celui-là. La compote de poire vanillée. En plus, comme ça, ça vous donne une recette. Voilà. Donc, c'est un ouvrage de 189 sur 189 points. Alors, vous dire comme ça, de tête, je ne sais plus combien ça fait en largeur, mais je crois que ça doit être dans les 25 sur 25 cm, à peu près. Je pense... j'étais pas loin. Voilà. J'étais vraiment pas loin. En 7 points par centimètre, ça fait 27 sur 27, vous voyez. Et en 6 points, ça fait 31,5 sur 31,5. Voilà. Donc, vous voyez, j'étais vraiment pas loin. Donc, moi, je vais certainement faire sur de l'étamine, puisque j'ai de l'étamine d'avance. Donc, les fiches, voilà, si j'arrache déjà la pochette, ça ne va pas le faire. Les fiches de Lily Point sont toujours imprimées en bleu. Voilà. Donc moi, je vais réimprimer en plus grand pour mes petits yeux. Oui, voilà ce que vous avez. Et donc, là, vous avez une fiche A4 à peu près. Hein, là. Donc moi, je vais réimprimer un peu plus grand pour mes petits yeux, je pense. Et même, de toute façon, quand vous faites des ouvrages de broderie, l'idéal, c'est de réimprimer votre ouvrage, enfin votre patron. Et comme ça, vous pouvez stabiloter les lignes que vous avez déjà brodées pour mieux vous retrouver. Et vous gardez votre fiche intacte. Comme ça, quand vous l'avez fini, bah, vous pouvez la revendre, la donner, l'offrir, faire ce que vous voulez avec. Et au moins, bah, elle reste nickel. Voilà. Comme ça, bah, hop. Elle est comme neuve et vous pouvez la revendre. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Je les revends à moitié prix. Donc, j'ai eu bien sûr mes fils DMC
Donc voilà les couleurs. Donc c'est beaucoup du vert, hein, et un petit, c'est dans les tons rouge, ouais, c'est le 350, donc c'est un rouge orangé, ou non, rouge, voilà. Et le reste, c'est des tons, dans les tons de vert. Voilà. Donc moi, je les ai achetés à Univers Broderie. Je crois qu'à Univers Broderie, je peux vous parrainer. Il faut que je vérifie. Si je peux vous parrainer, c'est pareil. Je vous mettrai en barre d'infos. J'ai pas le prix sur en détail. Alors là, je sais que la toile, c'était 10 euros. Et oui, 10 euros. Et les fils, je les ai payés 1 euro pièce. Donc il y en a 7, c'était 7 euros. Voilà. Donc, avec les frais de port, j'en avais eu pour 21,90. Donc, voilà. Donc, voilà. Ensuite, je vous remontre ce que j'ai eu à Cultura. Je reviens à Cultura. J'ai acheté, alors, une nouvelle revue. C'est sorti quand ça... Je n'ai pas marqué. Il n'y a pas la date, mais c'est le numéro 1. C'est un trimestriel. Donc, au moins, ça va. Pas besoin de... Ah, bah, c'était octobre, novembre, décembre. Donc, je suis un peu en retard, mais bon, c'est un nouveau d'ici de fin d'année. Mais moi, je ne l'avais pas vu avant. Ma presse ici ne l'avait pas. Donc, c'est pour ça que je ne l'avais pas vu avant. Donc, le numéro 2 va sortir ici pour janvier. Hein. Alors, c'est un livre de scrap et de cartes, une revue. Voilà. Alors, c'est le même style que la revue Idée Scrap, si vous connaissez. La trame de la revue est exactement la même. Sauf que là, c'est du vintage. Voilà. La trame de la revue est exactement la même. Vous avez à la fin des petits trucs à découper si vous le souhaitez, ou à imprimer avant de le découper. Voilà. Vous avez les sketchs. Voilà, les sketchs, c'est pour pouvoir refaire des pages de scrap, hein, des idées. Vous voyez ? Voilà, donc vous avez plusieurs pages de sketch. Vous avez alors des petits cahiers techniques. Donc là, ça va être pour faire des photos vintage. Ou pour faire pour faire un 100% vintage. Donc pour avoir vos photos vintage. Là, en cahier technique, est-ce qu'on a encore... L'art de trouver du temps, voilà, pour faire votre scrap, voilà. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, hein, parce que, bon, de toute façon, je ne peux pas, hein, sinon je vais me faire taper sur les doigts par l'imprimeur. Bon, il faudrait qu'il tombe sur ma vidéo, quand même. Bon, je ne suis pas connue à ce point-là, mais quand même, on ne sait jamais. Il explique comment donner un aspect vieilli à votre papier. Voilà. Donc, sur ce numéro 1, là, vous voyez, vous avez encore... Donc, vous avez des pages, des papiers que vous pouvez récupérer, découper, mettre vos cartes. Mais bon, voilà, un exemple. Oups. Ah ben non, là, il est double. Donc là, il est double, ça va. C'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Vous avez des tutos pour faire un cartable vintage. Pour faire des cartes. Voilà, les techniques du faux embossage. Voilà, bon. Il est bien. J'aime bien. Bon, il y a des choses que je connais, hein. Il y a beaucoup de choses que je connais déjà. Mais ça donne donc quand même des idées pour faire d'autres cartes, d'un autre style. Voilà, ici vous avez encore des pages
Et des petits embellissements à récupérer. Voilà. Donc, soit vous les photocopiez, soit vous les récupérez directement. Mais c'est des recto verso. Hein. Donc, d'un côté, vous avez ça, par exemple. Et de l'autre côté, vous avez ça. Donc, vous choisissez de prendre ça ou ça. Donc, vous photocopiez. Après, ils expliquent comment faire un fond acrylique. Voilà. Bon, vous avez quand même pas mal de choses. Faire du parchemin. Voilà. Non, il est pas mal. Voilà. Pour ceux qui aiment bien, ceux qui veulent commencer le scrap, c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. J'ai l'impression de descendre. J'ai ma chaise qui descend. Mais qui descend toute seule, ça m'énerve. Mais alors, le numéro 1 était avec une deuxième revue qui était offerte. Voilà, je vous la montre. Il y avait cette revue avec qui était offerte. Donc, c'est le même style. Hein. Vous avez des petits embellissements. Vous avez même des jeux. Là, vous avez des découpes pour faire un cactus en papier, par exemple. Vous voyez ? Bon, là, c'est plus sur le papier. Faire des objets en papier. Marque-page d'angle. Voilà. Vous voyez, vous avez... Là, c'est plus pour faire des objets. Voilà, là, des papiers. Là, un tuto pour faire des cadres avec les boîtes de céréales. Voilà. Voilà, ici encore. Voilà. Alors, ils sont gentils d'offrir ça. Bon, moi, par contre, je l'ai déjà. Voilà. C'est une revue qui date quand même de l'année dernière, de 2019. Bon, souvent, quand ils mettent des gratuits, c'est les revues qui leur restent, qui n'ont pas été vendues. Donc, ils les mettent en gratuit dedans. Donc, comme moi, je l'ai déjà, je ne vais pas le jeter, je vais vous l'offrir. Je vais vous l'offrir, mais je ne vais pas vous l'offrir tout seul. Voilà. En cette fin d'année, je suis généreuse, oui. Je vais vous l'offrir avec... Je vais mettre l'enveloppe là sur le côté. Donc, vous recevrez... Alors, vous allez marquer... Alors là, c'est un mini concours, on va dire. Voilà. Qui va être court. Je vais vous offrir avec cette revue, donc vous aurez cette revue et vous aurez 3 cartes que j'ai faites moi-même. Voilà, l'anniversaire, donc celle-ci et celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle avait été faite avec du papier d'alu à cigarette. Voilà. Donc, vous aurez en cadeau ces 3 cartes anniversaire. Bon, j'ai choisi anniversaire parce que c'est ce qu'on peut envoyer le plus. Hein. Donc, voilà. Voilà ce que je vous offre aujourd'hui. La revue et les 3 cartes anniversaire. Donc, pour ça, pour les gagner, rien de plus simple, comme d'habitude. Vous me notez en dessous, en commentaire, un petit bonjour, un petit bisou qui fait plaisir. Et je participe. Donc, on va faire un tirage au sort le jour de la fête des rois. Voilà, je crois que c'est le 6. On fera le tirage au sort le jour de la fête des rois. Et on connaîtra le nom de la gagnante ou le gagnant. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Ça fait un petit cadeau supplémentaire pour la fin d'année. J'aime, de toute façon, j'aime vous faire plaisir et ça changera des diamond painting. Donc, j'espère que ça vous plaît. Donc, voilà, j'ai fini de vous montrer mes petits achats. J'ai fini de vous montrer ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Et puis, en même temps, ce sera ma dernière vidéo de l'année.
Alors, je profite pour vous faire plein de gros bisous et de vous souhaiter une merveilleuse fin d'année, en espérant que vous, votre réveillon sera heureux ce soir. Profitez-en bien, soyez prudents, ne faites pas de bêtises, pour que l'on puisse tous se retrouver en pleine forme l'année prochaine, donc demain. Et puis demain, bah, vous aurez sûrement une vidéo. Voilà, ma première vidéo de l'année. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous aime tous. Et soyez prudents, surtout, vous et vos proches. Et on se retrouve l'année prochaine. Allez, gros bisous à tous. Et on participe pour le petit concours. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.